Hello, coucou les Sildingos, les Sildingos, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va faire. J'ai fait tous mes achats de Noël chez Craftelier. Voilà. Je vais vous donner aussi la suite. Alors, du coup, on avait une fille qui devait commencer lundi. Comme je vous ai déjà dit, et ben, du coup, elle n'est pas venue. D'accord. Et puis là, mon mari avait un rendez-vous à 15h15. Le gars finissait à 15h, je lui ai dit, bon ben, mon mari restera au restaurant, il vous attendra. Donc comme c'était 15h15, mon mari a dit, écoute, tu sais quoi, je vais rester au resto, je ne rentre pas et je referai le service du soir. 15h30, personne, j'appelle le gars, il me dit, ah bah oui, j'ai fini plus tard, mais dans 20 minutes, je suis là. Donc du coup, mon mari, il est resté au resto. Et 20 minutes après, il m'envoie un message comme quoi que non, bah, ça ne l'intéresse pas, il ne viendra pas. Voilà. Non, mais c'est que ça, c'est que ça. Donc, du coup, bah, mon mari, il est resté au resto. Du coup, il n'est pas rentré. Il est parti depuis ce matin, depuis 8h. Et il finit ce soir à 23h30, minuit. Voilà. Heureusement que là-bas, on a tout prévu. On a mis un lit, en fait, pliant. D'ailleurs, déjà pour moi, quand je vais pas bien. Et puis, voilà, quand il est obligé de rester, bah, il fait sa sieste là-bas. Voilà. Donc, c'est que ça, c'est que ça. Et moi, j'ai ma soeur qui est prof. Pour la rentrée, il manque je ne sais combien de profs et ils n'arrivent pas à trouver. Voilà. C'est quand même phénoménal. Et mon fils qui est ambulancier là au SMUR, et ben, il a le même problème. Le même problème. Les gars, ils commencent, ils font 2 semaines et puis bon, ils ont fait quand même leur. Comment ça s'appelle leurs études, ils ont passé leur concours et tout pour être ambulancier. Ils savent qu'ils travaillent le week-end. Et ben le gars, au bout de 2 semaines, il arrête complètement, même s'il a des dialyses à emmener ou quoi que ce soit. Et ben le gars, il arrête et démerde-toi. Voilà. Ah oui, bah oui, mais bon, le week-end. Bah oui, mais mon gars, on te l'avait dit qu'on travaillait le week-end. Quand t'as passé ton examen, tu savais qu'on travaillait le week-end. Il y a des accidents de la route le week-end. Hein. Il y a des gens qui font des AVC le week-end. Il y a des arrêts cardiaques le week-end. Il y a des maladies. Des gens qui ont des cancers, qui sont obligés d'être transférés en urgence, voilà. Et le week-end, les gens se font mal. Il y a des accidents domestiques et tout ça le week-end. Tu sais, hein, le week-end, les gens, ils sont pas. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que ça, que ça, que ça, que ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. J'en sais rien. Je sais pas ce que les gens. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. J'ai Nathalie là qui arrive lundi. Du coup, moi, je vais essayer de ne pas y aller pour pouvoir rester avec Nathalie parce que je ne vais pas la laisser toute seule. Après, ils le savent, Anna, elle a dit, si tu as besoin, je vais te filer un coup de main. Vous savez, ils m'aident à servir. J'ai ma soeur qui arrive le 19. Elle m'a dit, tu sais, t'inquiète, hein, moi, je vais aller prof. Elle me dit, moi, je n'ai pas les pieds dans le même sabot. Elle a l'habitude, quand on avait l'ancien resto, ils venaient, quand on avait des grands repas à 200, 300 personnes. Et elle venait avec son ex-mari et venait nous filer un coup de main. Et du coup, voilà, bah, elle a dit, moi, je vais te filer un coup de main à servir. Hein. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu me dis le numéro de la table, je porte des assiettes, je les emmène, hein, t'inquiète. Hein. Voilà, c'est que ça, que ça, que ça. Moi, ça me. Les filles, si vous étiez tous autour de moi, purée, franchement, s'il y en a qui cherchaient du boulot, je les prends direct. Même s'ils ont 55 ans, j'en ai rien à fiche. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Enfin bref, bon, je vais vous montrer tous mes petits achats chez Craftelier. Et je vous le redis, je vais vous le redire pendant la vidéo de tournage. Je vous ai mis un petit lien en barre d'infos. Si vous voulez faire une commande chez Craftelier, cliquez sur le petit lien qui est en barre d'infos. En fait, moi, ça me donne une petite cagnotte en fait pour pouvoir aller racheter pour vous faire vos créas. Voilà. C'est pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est quand on fait les créas et qu'on fait les tutos, on les refait, les refait, les refait. Et voilà, le papier d'action, il est bien pour ça. Mais après, quand on veut faire des belles choses, je préfère vous présenter des choses, parce que, avec du papier de chez Craftelier. Et à chaque fois, vous me demandez, Sylvie, il est trop beau ton papier, tu l'as eu où? Chez Craftelier. Voilà. Je fais papier en vrac. Je ne fais pas les sets de papier. Je fais papier en vrac. Vous allez voir, c'est souvent qu'il y a au lieu d'un euro et quelques, la feuille, elle est à 90 centimes ou 0,53 centimes. Voilà, quand il y a des promos. Donc voilà. Donc, eh bien, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, j'ai acheté des belles choses. J'ai acheté de la nouvelle colle aussi parce qu'ils sont en rupture de colle. Il n'y a plus du tout de ça.
Il n'y a plus du tout de ça. Voilà, depuis un certain moment. Donc, du coup, je vais essayer d'autres cols. Je vous dirai ce que ça donne. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Et puis, bah, dans la vidéo, je ne vous ai pas dit au revoir. Donc, du coup, bah, je vous dis au revoir. Je vous dis bonjour. Au revoir. Et puis voilà, quoi. Je vous dis tout, hein. Allez, on y va. Alors, petit haul craftelier. Alors, j'attendais avant de valider mon panier. Et en fait, je voulais, vous savez, cette tachyglue. Et ils sont en rupture de stock, en fait, de plein de cols. Donc, du coup, j'en ai pris d'autres. Je vais voir comment ils sont, je ne sais pas. Donc, je verrai. Alors, je n'ai pas marqué tous les prix parce qu'en fait, vous allez voir, c'est très long, n'est-ce pas? Mais, ma sucette. C'est très long, mais en fait, c'est parce que j'ai pris des papiers au détail. Voilà. Donc, j'ai marqué quelques prix, mais je n'ai pas tout marqué, d'accord? Alors, j'ai pris des petites, mais je m'ai trompée. C'est quoi, ça? Des œillets. Pourquoi il n'y a pas de mâle et de femelle? Normalement, il y a mâle et femelle, non? Ah non, je confonds avec les trucs. Je les voyais plus petits que ça. Bon, c'est pas grave, je m'en servirai. C'est parce que les autres sont beaucoup plus petits. Bon, c'est pas grave. Les œillets de 49 et dedans, il y a 40 pièces. Voilà. Tant pis, je verrai ça plus tard. Alors, j'ai pris un... Alors ça, j'ai pas le prix. Hein. Je sais pas, j'ai pas noté tous les prix. Sinon, j'en aurais eu pour je sais pas combien de temps. Pour pouvoir mettre le tube de colle. Hop, tac, on prend le tube de colle. Je sais pas lequel, on s'en fiche. Un tube de colle... Voilà, un tube de colle, tac, on met ça là, tac, hop, ça tient. D'accord? Bon, celui-là, il est fait pour tenir debout. Mais du coup, j'ai pris celui-là parce que comme les autres tubes que j'ai pris, en fait, ils ont pas de... On ne peut pas les reposer comme ça. Donc, du coup, j'ai dit, ben, je vais prendre ça parce que je n'avais fait un moi-même. Ici, avec une bobine, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps de ça, avec un trou au milieu. Et en fait, on pose le tube de colle et je trouvais ça super joli. Et en fait, je me suis aperçue que les tubes de colle que j'ai pris là, en fait, n'iront pas dedans. C'était les tubes de colle de chez Action. Donc, du coup, j'ai dit, je prends celui-ci. Hop, ça ira bien. Le rose, c'est pas trop mon kiff, mais il n'y avait pas d'orange. Donc, quand il n'y a pas d'orange, après, les filles, je bois un coup. Parce que j'ai fait un tuto juste avant. Pas d'orange. Donc, du coup, j'ai pas pris. Voilà. C'est pour remettre les papiers dedans. Alors ensuite, après, j'ai pris, alors voilà, du j'en ai pris trois gros comme ça, comme il va y avoir les toutes les créas de Noël. Alors le gros, il fait 3 cm de large, c'est du extra fort, il est super bien, il est à 5,99, 6 €. Voilà, il tient super bien. Donc du coup, j'ai dit, allez hop, je fais ma réserve, parce que comme je vois déjà qu'il n'y a plus de colle, je me suis dit, si j'en ai plus... Pardon, pour faire des albums ou autre, voilà. Alors j'en ai repris qu'un comme ça. En fait, il est en 9 mm, en presque 1 cm. Il est très bien pour faire quand on fait des créas. Donc celui-ci, le ruban rouge adhésif à 9 mm, il est à 1,99. J'en ai pris qu'un. Pourquoi j'en ai pris qu'un? Parce que je me suis dit, je vais essayer en fait les doubles faces de chez Craftelier. Donc il y avait deux gros qui font de 2,5 cm et celui-là il doit faire 1 cm je pense. 1,2. Voilà. Donc je ne sais pas comment ils sont. C'est la première fois que je prends du double face de chez Craftelier. Je vais en sortir un, comme ça j'en aurai un. Je sais pas si il colle super bien, parce que Action j'en prends plus parce que ça colle pas. Ah si, il colle bien. Si, il colle bien. Donc du coup, le ruban adhésif de chez Craftelier. Et là, les filles, j'ai pas les prix. Après voilà, vous regardez sur le site, vous cliquez sur mon... Pour aller sur le truc de Craftelier, je vais vous mettre en barre d'infos. Vous cliquez sur le petit lien en fait qui est en bas. Alors moi, ça me permet d'avoir une petite cagnotte en fait
À chaque fois que vous allez commander, si vous cliquez sur mon lien, je ne le cache pas, hein, vous savez que je suis très ouverte avec vous, hein, aussi niveau de rémunération de YouTube et tout ça, des partenariats. En fait, ça me fait une petite cagnotte que je pourrais ensuite après dépenser chez Craftelier pour pouvoir acheter du papier ou des choses comme ça pour vous faire vos créas. Voilà. Après, c'est pas que je suis à 2 ou 3 euros près, mais voilà, quand on peut en profiter, c'est ce que je vous disais, c'est comme les partenariats. Les partenariats, voilà, moi je les prends parce que ça fait plaisir aussi à Florence pour le diamant painting. J'en fais quelques-uns. Ça va pour la maison de retraite, donc du coup, je sais que ça va pour les personnes âgées, donc je le fais. Ensuite, après, tout ce qui est partenariat, je sais plus ce que j'ai eu, enfin bref, voilà, je m'en sers. Et du coup, voilà. Ça fait parce que mine de rien, en fait, quand on fait des créas, on fait d'abord les, comment ça s'appelle, les protos. Mais les protos, ensuite, après, bah, du coup, ils partent à la poubelle. Donc, voilà, de faire des tutos, des créas, il faut vraiment quand même avoir un budget. Et YouTube, en fait, ne paye pas tout. Faut pas rêver, hein, on n'est pas rémunéré à 1000 euros par mois, hein, d'accord? Comme je vous disais. Donc, du coup, voilà, je vais essayer ce craftelier et je vous dirai en fait s'ils sont bien. S'ils sont bien, bah, prenez-les parce qu'en fait ils sont moins chers que les. Ceux-là, ils sont de chez Craftelier, mais c'est des extra forts. Mais ceux-là sont moins chers en fait, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, si ceux-là sont bien, bah, prenez ceux-là. Voilà, c'est Craftelier aussi. Des Arte Craftelier, mais c'est pas des extra forts. Mais si ça tient bien, bah autant prendre cela en fait. Voilà, j'ai fini mon petit blabla de chez Blabla. Alors, j'ai pris une petite perfo comme ça parce que j'ai fait plusieurs créas en fait. Vous avez vu le sac à main, je suis abonnée au sac à main, je suis abonnée aux sacoches et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, bah, pour faire le haut, j'avais que une perfo, je faisais que des ronds. Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais m'en prendre une petite carrée. Mais j'aurais dû prendre un carré plus gros. C'est Sylvie, hein, à chaque fois qu'elle commande, Sylvie, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ouais, j'aurais dû prendre un carré plus gros. Mais pareil, après, pour faire des petites créas, pour faire avec des chutes de papier, c'est pas mal. Ouais, et en plus, elle coupe très très bien. Hop, j'en avais pas. Ça y est, c'est fait. C'est rangé. C'est mis en place. Alors, la perfo, elle est à 5,72. Voilà. Allez voir, là, vous avez plein de promos. Hein. Alors, allez-y. Cliquez sur mon petit lien qui est en bas dans la barre d'infos. La fille qui fait le racolage. Non, 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 mais je racole pas. Mais voilà, après, ça permet d'avoir du beau papier et de vous faire des belles créas, en fait. Hop, alors j'ai pris cette colle. Déjà le packaging là avec la petite fille. Attendez, je vais vous ravancer parce que là on n'est pas en train de faire un tuto, d'accord? Voilà. Et puis après vous êtes en train de avancer. Déjà là, c'est trop beau. Takiglu Scrapbooking. Amélie Pragé. Il y en a 100 millilitres. Et déjà, j'ai trouvé la petite fille, elle était trop mimi, le packaging il était trop beau. Ça fait comme les enfants, vous savez, sur les yaourts, quand on met des trucs, c'est pour attirer les enfants. Donc, cette petite colle Tacky Scrapbooking Glue de Amélie Pradet, je l'ai pris ou pas? Non, je ne l'ai pas marqué. J'ai marqué l'adhésif, je vais rayer parce que sinon je vais me retrouver. Adhésif. Ah, l'adhésif 1,2, il est là. C'est celui-là le 1,2. Ouais, c'est ça. Celui-ci, il a 2,48. Et le 2,5, celui-ci, il est à 3,56. Voilà. Alors, la Takiglu Amélie qui est là, elle est à 2,31. Voilà. Et elle va parfaitement dans le petit truc. Magnifique. Voilà. Elle a un petit embout. Alors, après, est-ce qu'on est obligé de perforer le truc en haut? Ou de couper le truc en haut? Ou de faire un trou? Et ouais.
Donc là, il va falloir faire un petit trou pas très grand. Voilà. Je garde la petite pochette, n'est-ce pas? Donc voilà. Comme il n'y avait plus l'autre colle, bah, du coup, j'ai dit je prends. Et je verrai ce que ça donne. Si c'est bien, et ben voilà quoi. Hop. Ensuite, après, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est un peu la même chose que celle-là. Sauf que c'est... elle est liquide, en fait. Elle n'est pas blanche. Elle est transparente. Alors, c'est un tombeau, c'est pareil. Hein. Alors, après, il faut avoir des yeux hyper, hyper bioniques pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus, n'est-ce pas? Et comme moi, mes yeux ne sont pas bioniques, je ne peux pas lire. Mais je sais que ça va très bien pour le papier. Broad tip, top, top, voilà. Donc là, il y a un petit embout et un gros embout et on peut le poser. Il n'y avait plus de celle-ci. La colle, c'était une catastrophe. Mais bon, c'est une catastrophe pour plein de choses. Hein. Nous, il y a plein de matières premières au restaurant qu'on ne peut pas avoir. Le magret de canard, il faudrait que je le vende 50 euros le magret de canard. Donc autant vous dire que le magret de canard, on va s'abstenir. Et d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de patates. On vient d'être prévenu. À cause du climat, à cause de tout ce qui s'est passé, il n'y aura plus de patates. Comme nous, il nous en faut des tonnes et des tonnes pour les frites, et ben, il n'y aura plus de frites. Bon, on n'est pas en train de parler de denrées alimentaires, on est en train de parler de colle. Donc celle-ci, la Tombow Mono Aqua, elle est à 3,23. Hop, nous allons la laisser ici. Et ensuite, j'ai pris celle-ci. Bah oui, j'ai fait la réserve parce que je me suis dit, comme il n'y a déjà plus les autres... Enfin, celle-ci, s'ils y sont plus, je suis mal. Hein. J'aime pas la colle de chez Action. Donc, voilà. Pour faire des beaux projets, il faut de la bonne colle. Donc, celle-ci, c'est Craft Tacky Glue. Alors, avec extra fine précision. Ouais, il y a un embout qui est très, très, très fin. Doing. Voilà, là encore, il faut couper le bout. Donc, c'est ça. Hein. Attendez que je fasse pas de conneries, les filles. Après, les petits pots comme ça, vous pouvez vous en servir. Hein. Vous mettez de la colle dedans. Ah, il y a une petite... Mais non, mais c'est déjà... C'est déjà percé, les filles. J'ai soufflé dedans pour voir si c'était percé. C'est déjà percé. Donc, du coup, en plus, les embouts, ils sont très bien. Et en plus, je pense que, voilà, vous pouvez les recharger si vous achetez de la colle en bidon. Donc, du coup, celle-ci, moi, j'en ai pris 3. Elle est au prix de... 60 ml, 1,69 €. Voilà, je vais la mettre dans ma réserve. Voilà. Bon, ben voilà. Donc là, eh ben, on a tout fait. La colle, les machins, les trucs, les muches-muches. Allez, maintenant, on passe à des petits trucs. Alors, j'ai trop kiffé ça, j'ai trop kiffé. C'est des petits formal cartoulina. Alors, il y a plein de petites décos de Noël. Il y a un Père Noël, il y a une petite caravane avec les guirlandes de Noël, il y a des petites boules, il y a des petits pas des bonhommes, pas des tisses, des tasses, il y a des petits gnomes, il y a des petits singes sur un arbre habillés en Père Noël. Voilà, donc c'est American Craft. Donc ceux-là, est-ce que je les ai marqués? Les die-cut cozy, les die-cut bright, machin, les œillets, les die-cut fairy whis, cortusion, c'est quoi ça? C'est Pupples. Je l'ai. 4,24. Et dedans, il y en a 40. Je ne sais pas s'ils sont autocollants. Je ne sais pas. Ils sont très jolis. Oh, bah, quoi qu'on peut les défaire. Hein. De toute façon, on les remettra dans un plastique pour s'en servir. Hop. Je ne vais pas vous mettre uniquement l'eau à la bouche sans rien vous montrer quand même. Ah, les ballons, ils sont trop beaux. Ils ont des petits brillants dessus. Ils sont trop jolis, les petits ballons. Les houes, c'est pareil. Les petites boules, elles sont brillantes. Il y a des petits champignons. Bah ouais, chez les gnomes, l'arbre de Noël, c'est le champignon. Hein. Donc, il y a des cadeaux. Il y a un petit bonhomme de neige. Il y a des petites boules. Les fleurs, là, elles sont trop belles. Avec du brillant dessus. Ah, même la canne, là, regardez. C'est trop joli. La petite canne, elle a du brillant aussi. Cette fleur-là, elle a du brillant aussi. Non, ils sont trop jolis. J'ai adoré. Aussitôt que je les ai vus, je les ai mis au panier, en fait. Le petit sapin de Noël.
Ça, c'est quoi? Regardez le petit singe. Bon, lui aussi, fête Noël, hein, sur sa branche, vous avez vu? Le sapin de Noël. Nothing or nice, ça, je sais pas. Ouais, il y a plein de petites choses mignonnes comme tout. Le petit oiseau, il s'est habillé aussi en Noël. La petite tasse de café et tout. Bon, puis après, on a la caravane, hein, les filles, si ça vous dit d'aller faire Noël en caravane, allez-y, hein. L'été, non, même, non. Faire du camping, pour moi, c'est... Non, ça me dit rien du tout. Je vous raconte une histoire, vite fait. Une fois, on avait été faire, parce qu'on faisait du jet ski avant... Et on avait été au championnat de France en fait de jet ski à Cavalaire qui était organisé par Vincent Lagaffe. Et du coup on avait dit on part 2 jours, on va louer un mobil-home. Donc du coup on a loué un mobil-home. Déjà je vous dis pas le prix du mobil-home. Et on était tous côte à côte. Et le matin je prends ma douche dans le mobil-home, je me regarde dans la glace, j'avais ouvert la fenêtre évidemment parce qu'il n'y a pas d'aération. Donc du coup tout était avec de la buée. Et du coup il a fallu que je nettoie la vitre. Et du coup je regarde dans la glace pour m'habiller et pour me coiffer. Je me suis dit, c'est pas bizarre, il y a un mec derrière, il y a une tête de mec derrière. Ah bah oui. Le mec qui était à côté dans le bungalow, en fait, bah, il voyait tout ce qui se passait bah, dans le bungalow, quoi. Dans le nôtre, voilà. Donc ça m'a suffi d'une fois. L'image, elle est magnifique. Fairy Whiskies, Witches, Chibord Ephemera. C'est trop joli, les filles. Il est trop beau. Après, s'il y a des produits où vous voulez que je vous mette les liens, vous me le dites. Et puis moi, je vous les mettrai en dessous votre commentaire. Il est très joli. Alors, ceux-là, les die cut Fairy Whis, Fairy Witches, c'est ça? 4,25. Et dedans, il y en a... Je ne sais pas combien. Ils ne le mettent pas. Non, c'est pas noté combien il y en a. Sheboard. C'est ça? Ou je suis en train de vous dire des conneries. Fairy Whiskey Consortium, Dice Cut, Fairy Witches, 4,25, c'est ça? Brightly Opaque, Magic Christmas, Eco Park, Eco Park, bon ben voilà, c'est 4,25. Mais bon, il y en a un paquet, hein. Alors, ils sont très, ils sont assez épais en 3D. Alors, je vais vous dire s'ils sont autocollants. Oui, ils sont autocollants. Hop. Alors bien sûr, ben j'étais, je sais pas pourquoi, j'étais sur les champignons. Eh non, mais cette petite fille, elle est trop belle. Regardez. Les petits champipis en forme de maison. La petite fille, elle a des ailes. Regardez comme c'est mimi pour mettre sur un calendrier de l'Avent. Je trouve ça super joli. Oh, celle-ci, elle se promène avec sa petite... elles sont trop beaux. Regardez l'escargot sur le champignon. Non, c'est très joli. Je suis tombée fan. La petite fille qui est en train de penser là sur le champignon avec ses petites ailes. Elle est en train de voler avec la petite lanterne. Non, c'est très très joli. Ils sont très très beaux. Ah bah celui-là, il est trop joli. Regardez. C'est une petite fille black avec des petites ailes. Là, on peut retirer les trous. Hop. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est trop beau. Donc voilà. Et après, il y a plein de petits, il y a des petites coccinelles, il y a tout ça. Du coup, je vais les ranger dans les trucs de Noël. Hop. Il y a plein de petites choses. Hop, là, il y a des petites coccinelles. Hop, donc ils sont autocollants, je vous ai dit le prix, c'est tout bon. Hop. Ensuite, j'en avais déjà pris l'année dernière et l'année d'avant parce qu'ils sont super chouettes. Les Sheboard, en fait, phrases. Bon, après, il n'y a pas tellement de phrases. Et puis les Sheboard Accent avec les petits sapins de Noël. Alors, ceux-là, les Sheboard de Turututu, je suis un peu pointu. Je ne sais plus le prix. Demandez-le-moi. Ah, 3,39 et l'autre, c'est 4,99. Magic Christmas, c'est celui-là. C'est là. Celui-ci, il est à 4,99 et le Bright Eco Park, celui-ci, il est à 3,39. Voilà.
Donc, je sais plus. Non, ils sont pas autocollants. Mais par contre, ils sont très très bien. Ils sont épais. Et moi, je les avais mis sur les calendriers de l'avant parce qu'en fait, vous voyez, c'est pas très très grand. Il y a plein de petites choses. Après, là, voilà, vous voyez, regardez, Mary, by Mary, le petit, tout ça, il y a plein de choses qui ne sont pas très grandes et qu'on peut mettre, en fait, sur le calendrier de l'Avent. Voilà. Et dedans, je ne sais pas combien il y en a à chaque fois. Je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, il y en a une trentaine, à peu près. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer, Sylvie, elle a appris. Alors, j'ai pris, ils ont des feuilles d'acétate, en fait, qui sont, alors, je vais mettre, voilà, là, vous le voyez mieux, qui sont avec des dessins dedans. Donc, moi, j'ai pris celle-ci avec des fleurs parce que j'ai envie de vous faire quelque chose. Voilà, elle est très, très jolie. Donc, la feuille d'acétate, comme ça, elle est à 2,16 €. Mais, voilà, on peut faire 4 créas dedans, hein. Voilà, et elle est très très jolie, elle est très bien faite, les petites les impressions dessus sont très jolies, et voilà, donc la feuille d'acétate, je l'ai pris pour vous faire des choses. Ensuite, après, on passe au papier de Noël, mais avant, je vais les retirer, je vais vous montrer, j'ai pris, alors il y en avait un, mais bon, je l'ai mis dans le panier, deux secondes après, il n'y en avait plus. Alors, j'ai pris cela pour vous faire une créa. Voilà, je ne sais pas si vous voyez celle-ci avec des petites feuilles de houx, elles sont magnifiques. Bon, elles sont pas bon, elles sont épaisses, mais voilà, sans plus, mais c'est suffisant. J'ai pris une comme ça, celle-ci en vert avec des feuilles dorées, et celle-ci c'est la même, mais alors c'est avec un dégradé orangé, il est magnifique. Alors, les papiers dorés, ils sont à 1,06 €. Donc, évidemment, vous faites d'abord un proto et après, vous faites votre déco avec ces papiers-là. Alors, ensuite, on va les mettre à l'endroit, les papiers. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Bon, c'est pas grave. Alors, les prix de chaque feuille, je ne vais pas vous les dire. Si vous voulez, vous, en part d'infos, vous me le demandez. Demandez-moi pas toutes les feuilles parce que sinon, je ne pourrais pas. Elles sont entre 0,93 € et 1,15 €. Voilà. Donc, celle-ci, Little Merry Christmas, j'espère que vous voyez. Oui. Avec des petits Pères Noël dessus. Donc, j'en ai pris deux. Et derrière, c'est un Père Noël avec son traîneau et des sapins de Noël. Ils sont recto verso. Hop. Alors, ceux-là sont recto verso aussi. C'est des petites chaussettes avec des petits nœuds. Voilà, tout simplement. Ensuite, celle-ci, j'en ai pris qu'une avec des petites tasses de chocolat chaud. Et puis là, c'est un macchiato ou un chocolat viennois, comme vous voulez. Très joli pour faire des petites boîtes pour Noël. Alors là, c'est des petites feuilles. Et derrière, vous avez des petits pois. Vous voyez, son recto verso. Et moi, vous voyez, regardez en bas ce qu'il y a de marqué. Une saison parfaite pour des moments cocooning. Et ben moi, je découpe tout ce qui est en bas. Là, je peux marquer juste une saison parfaite ou alors moment cocooning pour faire des petites... comment ça s'appelle ? Des petits sentiments. Moi, je garde tout ce qu'il y a en bas. Vous voyez, regardez là, il y a marqué de ce côté-là, moment chaleureux. Et comme on le coupe, ce morceau-là, eh bien, moi, je les garde. Et ça fait des petits sentiments. Et regardez, si vous avez Merry Little Christmas, eh bien, moi, je les découpe et ça fait des petits sentiments. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai pris en double avec des petits flocons de neige et des petites fleurs de processia. Je sais plus si on appelle ça processia, j'en sais rien. Vous voyez, regardez White Christmas, Noël blanc. Ben, vous le découpez et ça vous fait un petit sentiment. Alors, il y a des petits flocons. Il y a White Christmas, des petits bonhommes de neige. Et derrière, c'est des petits pois. Là, c'est des petits Père Noël avec 25 décembre marqué dessus. Et puis la petite boîte aux lettres. Derrière, c'est des petits carreaux rouges. Celle-ci, j'en ai pris deux. Là, c'est des petites boules de Noël. Derrière, c'est des petits traits. Tiens, j'ai mon petit chien qui arrive. Là, on a des petites étoiles avec des petites feuilles de sapin. Alors là, je n'avais pas vu derrière, c'est des enveloppes.
Mais moi, je l'ai pris pour les feuilles de houx. C'est de chez Vicky Boutin, American Craft. Oh, Vaiko! Voyez, regardez là. Vaiko, stop! Là, vous avez la petite bande ici, derrière, c'est marqué d'où ça vient. Stop, Vaiko. Et là, vous avez tout le long, c'est des petites feuilles de houx. Et ben, moi, je les garde. Voilà. Alors là, il y a tous les numéros, mais je pense pas que je l'ai pris. Non, je l'ai pas pris pour les numéros parce que j'en ai plein. Je l'ai pris, voilà, pour ça, avec les chocolats chauds, avec le pain d'épices et tout. Et je trouvais ça très, très joli. Alors, Beautiful Time, vous voyez, regardez en bas, là, vous avez marqué OOO. Là, il y a Happy New Year, Beautiful Time. Et bien, tout ça, vous pouvez les découper. Et puis ensuite, après, vous pouvez vous en servir pour, comme petit sentiment. Comme là, il y a marqué Christmas Time. Voilà, donc ça, c'est des petites fleurs de Processia. Là, c'est pour mettre des petits sentiments pour mettre sur un. Vous le découpez, vous le mettez sur un. Comment ça s'appelle? Vous mettez votre sentiment au milieu. Là, j'ai trouvé que ces cartes-là, elles étaient trop belles. Trop, trop belles. Avec la petite fille là, mais c'est trop beau. Et j'ai pris, mais je m'en suis déjà servie en fait. Je fais des bêtises, les filles. Voilà. Je m'en suis déjà servie, vous voyez, regardez. Là, derrière, il y a des petites, comme des petites étiquettes, et là, on peut écrire. Donc, bien sûr, on va les découper correctement. Et là, moi, je me suis déjà servie en fait du petit tag qui était là, et ça va avec ce papier-là. Et là, je me suis servie déjà. Des petites feuilles de houx, des fleurs, choses comme ça. Et ça va avec le papier aussi, la grand-mère avec la petite fille là, qui est en train de. La petite fille, elle fait un câlin à sa poupée. Et la grand-mère, elle est en train de broder. C'est trop trop beau, les petits écureuils. La petite fille là avec son train. Non, c'est trop joli. Voilà, ils vont tous ensemble. Donc ceux-là, je les mets à part. Hop, parce que je m'en sers. Voilà, j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc là, ça n'a rien à voir avec Noël, hein. C'est parce que j'avais envie, je l'ai trouvé très très belle. Donc avant qu'il n'y en ait plus. Derrière, c'est des petits traits. Voilà. Alors là, bien sûr, c'est des petits tags. En fait, moi, ce que je fais, c'est que ces petites choses-là, je m'en sers. Alors, derrière, c'est des petites cannes, là, je ne sais plus comment on appelle ça, de Noël. Moi, en fait, je les coupe. Ici, je fais un arrondi, je fais un petit trou, et derrière, je marque le nom. Je remets du blanc ou quoi que ce soit, et je marque le nom pour les cadeaux. Alors, celui-là, je l'avais déjà pris l'année dernière. Je fais exactement la même chose. C'est des tags, en fait. Vous les découpez, vous faites le petit trou, et derrière, vous marquez le nom de la personne pour le cadeau. Je les avais déjà pris l'année dernière, ceux-là. Alors, celui-là, je le trouve très très joli. C'est des petits carreaux derrière. J'adore. Simple story. Simple histoire. Là, c'est des petites feuilles Santa Claus. Derrière, c'est des petits carreaux rouges. Là, c'est plein de petits gnomes. Voyez, regardez là, vous pouvez prendre Gnome for Christmas, les gnomes de Noël. Derrière, c'est des carreaux. Celui-là, c'est le même. Alors, celui-là, c'est plus épais. Hein. Je ne sais pas si c'est marqué les grammages. Je vois pas. Le grammage, il n'est pas marqué. Non. Letter to Santa. Ben, ça, moi, je le garde. Hop. Celui-là, je l'avais déjà pris l'année dernière. Eco Park, c'est des petites chaussettes, des petits gants, des feuilles de houx. Et derrière, on a des petits pois. Donc, je l'ai pris en deux parce que quand on veut faire une créa, bien souvent, là, c'est des petits paquets cadeaux. Et derrière, c'est des petits flocons de neige. Là, pareil, c'est des petits bonhommes en pain d'épices, des petits trucs de canne sucre, là. Et puis des petites boules de Noël. Derrière, on a des petits pois. Là, c'est les petites fleurs de Processia. Derrière, on a des petits pois aussi. Là, ce sont des petites feuilles de houx. Donc, j'en ai pris deux. Derrière, c'est des carreaux.
Là, c'est uniquement que des branches de sapin avec des petites boules de Noël. Gnome for Christmas. Derrière, on a des petits. Alors, ceux-là, je les ai pris, je les ai regardés à plusieurs fois. Et je me suis dit, voilà, je sais ce que je vais faire avec parce que c'est pas forcément mon kiff. Vous savez que moi, j'adore les couleurs pétantes. Mais au moment de Noël, c'est pas trop. C'est plus, voilà, du rouge, du vert. Donc, il n'y a pas trop de. Voilà, ça par contre, c'est mon. Voilà, là, il y a plein plein de couleurs. C'est mon truc.